Bonjour tout le monde! Recap RPG a week. Question numéro 21. Faire découvrir un jeu que j'aime. Faire découvrir un jeu que j'aime. Je pense que... Ouais, ok. J'ai un nouveau jeu. Il y a deux nouveaux jeux que j'ai commencé à apprendre dans le but de... Même trois que j'ai commencé à apprendre que dans le but de faire jouer d'autres mondes. Alors, je vais mentionner d'abord Star Trek Adventure, qui est vraiment le fun. Ça fonctionne avec un système à 2D, 2D20, là, bien entendu. Et c'est à la fois simple, efficace, mais c'est vraiment fait pour Star Trek. C'est vraiment un système propriétaire unique pour Star Trek. Oui, il est basé sur d'autres systèmes venant d'autres choses, mais moi je trouve qu'au niveau Star Trek, ça fait bien. Et c'est rare parce que les autres jeux de Star Trek que j'avais joué avant, ça allait pas aussi bien. Ensuite, un autre système que j'aime beaucoup, ben, c'est les Mousquetaires de l'Ombre. Mousquetaires de l'Ombre, un système qui fonctionne avec pas mal tous les types de dés, et qui est quand même le fun. Système propriétaire, j'aime beaucoup Mousquetaires de l'Ombre. Les aventures sont quand même fortes, vivantes, nerveuses. C'est le fun. J'ai hâte de voir ce que ça donne de feeling de DMS ça. Parce que là, c'est ça, il serait temps que je commence à organiser le game. Là. Mais évidemment, manque de temps, comme toujours. Et finalement, Serious Sunday est le jeu que je vais sûrement DMer très 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 bientôt. Ça m'agiterait même incessamment. Et c'est le jeu de My Little Pony, Tales of Equestria. Un petit jeu absolument magnifique, beau. Bien, quand même assez bien fait. Je veux dire, j'ai pas vraiment trouvé grand inconvénient là-dedans. Puis le système permet d'utiliser tous les types de dés, et ça, c'est un gros must. Les enfants adorent essayer des jeux différents quand le mousse des 6 bien ordinaires que tu trouves dans n'importe quel système. Non, les autres veulent des 20, des 8, des 12. Ils veulent tous les types de dés possibles et imaginables. Ils veulent en utiliser le plus possible. Fait que faut leur donner ça. Fait qu'un système pour enfants, ça prend des multifaces, pas juste des 6 faces. Là. Ça prend de tous les types de dés. Fait que donc, c'est pour ça que je recommande aussi extrêmement ce jeu. Mais il est cute, il est simple. Il est vraiment imagé enfant. C'est du mal à pour lui. Comment tu veux ne pas aller dans cette direction-là? Bon, en même temps, je ne suis pas un jeu de patrouille. Ça serait pas aussi fun, je pense. En tout cas, ouais, peu importe, là, peut-être que quelqu'un pourra me surprendre. Mais anyway, My Little Pony pour Friendship's Magic. Basé sur Friendship's Magic. My Little Pony, Tales of Equestria. J'ai très hâte de DMer ça et je vous le recommande si vous devez faire des parties pour les enfants. Alors, jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite des crises de nombreux et des fumbles. Bye!